c'est moi. C'est moi aussi. Ben, c'est Nadège. Ah, c'est toi, Nadège. Je me disais, c'est la voix de Nadège. Et pourtant, c'est pas tout à fait sa voix. En tout cas, Véronique, c'est bien la tienne. Hein? Ben oui, puisque c'est moi. Ça va? Ça peut aller. Et toi, ça va? Moi, ça va. Tu dis ça peut aller. Ben, c'est que ça va pas vraiment. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Il faut, hein. Et toi, si j'ai bien compris, ça va bien. Dis donc. Oui, ça va. Dis donc, j'ai eu un mal fou à te joindre. Bah, toujours occupée. Faut dire que je connais pas mal d'individus dans différents secteurs. Alors forcément, il y en a beaucoup qui m'appellent. Et moi, de mon côté, comme j'appelle les autres, ça bouchonne. J'entends pas très bien. Qui est-ce qui ronchonne? Non, je dis, ça bouchonne. Surtout quand les nanas se mettent à raconter leur vie. Enfin, je t'ai au bout du fil. Tu es où en ce moment? Rue des Petites Écuries. Ah, à Meudon, Val-Fleury. Non, à Paris. Ah. Rue des Petites Écuries. Juste devant un magasin de fringues. Je viens de m'acheter des collants. Les collants, maintenant, ils filent tout le temps. J'en ai pris 4 paires d'un coup. T'as bien raison. Ils sont plus comme avant. Remarque, avant, ils n'existaient pas, les collants. C'est juste. Et toi? Tu es où en ce moment? Tu ne devineras pas. Au bord du lac Titicaca. Pardon? Le lac Titicaca, comme ça se prononce. Ah ben ça doit pas être tout près, ça. Ben le Pérou, à la frontière de la Bolivie. Mince alors. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Je dis mince alors. Oh, rudement chouette. Un grand lac rempli d'eau. Avec des montagnes derrière, végétation aquatique, bambous, nénuphars, eucalyptus. Hein, calme. T'entendrais pas voler un pélican? Moi, j'aimerais pas, j'ai jamais aimé les lacs. C'est toujours pareil, ça bouge pas, ça finit par sentir mauvais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis, il y a toujours des moustiques. De quoi? Des moustiques! Oh, des moustiques! Non, ici, il n'y en a plus. Les Indiens les ont tous massacrés. Que petite donc, comme dans les westerns. Tu parles un boulot. Bon, mais à part les Indiens, t'es pas toute seule. Oh, bah tu parles. Je suis avec Philippe et 2 copains. 2 homos vachement sympas. On s'était juré de faire une virée tous les 4. Oh, qu'est-ce qu'on rigole. Philippe? Mais je croyais que t'étais avec Alfred. Ouais, mais j'ai stoppé. À la longue, il devenait chiant. Fallait toujours qu'ils sachent où je me trouvais. Même quand j'étais ailleurs. En plus, oh, ils sont pâtés. Oh, c'est pas comme Philippe. Hein. Oh, un roseau. Et puis, un entre-jean, un panache. Quoi? Un malgache? Oh, on s'entend mal, hein? Ah ben, faut dire qu'on n'est pas à côté. Panache! Panache! Et toi? Toujours avec Eugène. Ouais, Eugène. L'emmerdant, c'est qu'il s'est délocalisé. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Délocalisé! La boîte où il travaillait à Issy-les-Moulineaux a fermé ses portes. Ils ont tous foutu le camp à Pékin avec les Chinois. Ah, bah faut dire que maintenant, les Chinois, ils sont partout. Même à Pékin. Alors moi, je reste ici toute seule comme une andouille. Je peux tout de même pas prendre l'avion tous les jours. Ah, ben ça. J'ai aussi mon boulot. Le salon de coiffure et des martyrs. Rue des Martyrs, à côté de la triperie. Ma pauvre Véronique, t'es comme qui dirait quasi veuve. Quoi? Quasi quoi? Ben, je veux dire, question bagatelle. Ben, sexuellement, tu dois l'avoir sec. L'avoir sec. Faut pas exagérer. De temps en temps, je me tape quand même quelques mecs. Constant, Zéphirin. Tiens, Mohamed. Mon petit garagiste. Un chou, ce Mohamed. Oui, ben des intermittents, quoi. Ouais, si tu veux. Mais tu vois, rien à faire. Eugène, je l'ai toujours dans la peau. Même à distance. Même à distance. Tu l'as trouvé cloche. Non, non, je te comprends. Des fois... C'est pas marrant d'être une femme. On s'attache trop. On se désagrège.
On s'annihile. On s'annihile. C'est ça, comme tu dis. Tandis que les bons hommes, c'est pas pareil. Même cloués sur notre ventre, ils sont toujours au balayage. T'as peut-être raison. Bah, j'ai pas dit qu'ils étaient cons. Mais j'ai pas dit que t'as dit qu'ils étaient cons. J'ai dit, t'as peut-être raison. Ah, je t'entends mal, hein. De moins en moins bien. Ah bah moi aussi, hein, comme un bruit de crécelle. Ça doit être rapport à la longitude. Tu crois? Attends, je vais faire quelques pas à gauche en direction de la latitude. Tu m'entends? Ah oui, beaucoup mieux. Bravo, Nadège. Et dis-moi, un lac, c'est pas les folies bergères. Qu'est-ce que vous foutez toute la journée? Bah tous les deux, on est avec des copains. Oui, tu m'as dit, un couple homo. Biture et Marjolaine. Pardon? Tu peux répéter? Biture et Marjolaine. C'est comme ça qu'ils s'interpellent dans l'intimité. Mais vachement coopérants, hein. Toujours au petit soin. Surtout Marjolaine. Tu veux pas un petit coussin, Nadège? Ou une infusion? Tu sais, c'est trop trop chaud. Tu peux enlever ton soutien-gorge. Ça ne me gêne pas. Un an, Marjolaine. Un an. Et puis c'est eux qui s'occupent de la bouffe, hein. Biture, surtout. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que vous fabriquez toute la journée? On n'arrête pas. On se baigne, on se rebaigne, on s'asperge de flotte, on se fout des claques, on rigole, on s'engueule, on court et on se rebaigne. Drôlement excitant. Oh, puis faut que je te parle d'un programme. Mon Jules a emporté son MP3, dernier modèle. Bon, on écoute du rock, du rap. Tiens, hier encore, assis au bord du lac, une couverture sous les fesses, on a entendu le dernier tube de Jimmy Crystal. Extra Jimmy Crystal. Tiens, ma petite pépé, que je te broie. Oh, du tonnerre, j'adore. Oh, figure-toi, hier, quand on a passé Jimmy Crystal, eh ben, il y a des Indiens enveloppés dans leur poncho, hein, qui sont assis à côté de nous pour longtemps. Oh, ils n'ont pas arrêté de se marrer. Se tordre comme des baleines. Ça doit être trop fort pour eux. Bah, sûr qu'ils n'ont pas reçu notre éducation. Bon, et dis-moi, Nadège, tu comptes rester combien de temps? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas mal au temps. Oh, bordel. Blague, ça recommence. Attends, je vais me déplacer vers l'ouest. Tu m'entends? Ouais, combien de temps tu comptes rester dans ton bled? Oh bah ça dépend de Philippe. Il s'occupe d'un tas d'affaires. Philippe? Ah oui, Philippe. Oh sacré loup, mon Philippe, si tu le voyais. Un mélange de Gary Cooper et de Madonna. Bazette. Il sait que tu es ma meilleure copine. Quand on rentrera, je ferai les présentations. Fais gaffe, des fois que je te le souffle. Ah bah ça tu vois. Je crains pas trop. N'importe quelle gonzesse peut faire bander un mec, mais avec Philippe, faut drôlement être sexy. Bah merci. Remarque, t'es pas mal fichu, hein. Mais c'est ta façon de te nipper. Oh, je veux bien que tu t'achètes des collants. Merci, encore merci. Dis tout de suite que je suis Dracula. Oh, bah râle pas comme ça. T'as d'autres qualités. Comment ça, je suis bien le oh. Oh, bah tu parles d'un compliment. Oh, ah, bien alors qu'est-ce que ça grésille d'un seul coup? Oh. Allô? Allô, Nadège? Mais j'ai pas parlé de thé! Oh, t'as d'autres qualités que je disais. Qualité! Alors, Nadège, tu radines? J'arrive! J'ai une copine au bout du fil, elle téléphone de Paris, c'est très important, commencez sans moi! Ah non, non, mais grouille quand même, hein? Il vous est préparé un sacré plat. Rôti de puma avec ananas. Avec ananas? Miam, miam! C'est l'heure du dîner. Biture s'impatiente. L'heure du dîner? À 3h de l'après-midi. Bah tu oublies le décalage horaire. Oh, quand il fait jour de ce côté-ci, fait nuit de l'autre côté. En ce moment, le soleil vient de se débiner et nous, on se prépare à dîner. Ah, c'est vrai. Je n'y pensais pas aux heures qui ne sont plus les mêmes. Tiens, comme en Chine, Eugène m'a dit que ça lui remontait au cerveau. Il y a des paroles qui lui viennent le jour qu'il n'aurait jamais prononcé la nuit. Allons donc. Tiens, un petit matin, mais un petit matin chinois, il a engueulé son patron.
Il l'a traité de tous les noms. Ce qu'il n'aurait jamais fait s'il était en train de roupiller. Bah, of course. Bon, mais on parle, faudrait peut-être s'arrêter. Heureusement, c'est toi qui m'as appelé, tu vas sentir passer la note. Je vais quoi? Parle plus fort. Tu vas sentir passer la note. Bah, t'inquiète pas, c'est pas moi qui casque. Qui quoi? Oh, casque. Oh, de pire en pire. Attends, je vais changer d'orientation. Véronique, t'es toujours là? Véronique, tu m'entends? Alors là, nickel. Comme si tu étais à mon côté. Et c'est dingue quand on y réfléchit. Bah, qu'est-ce qui est dingue? Bah, tu trouves pas soufflant qu'on soit séparés par des mers, des montagnes, des animaux, des tas d'insectes? Et qu'on se parle comme si on se trouvait toutes les deux à la terrasse du Fouquet's en train de siroter un americano. Faut dire qu'avec les satellites, les radars, les corpuscules, ce que je sais. Remarque, si tout ça pouvait faire le bonheur de l'humanité... Ah, ça y contribue quand même, hein, autrement la Terre... Un sacré bordel, la Terre, si tu veux mon avis. Aujourd'hui, c'est comme si on était revenu à la guerre de 100 ans, mais en 100 fois plus vache. Oh, mono, tu peux pas nier le progrès. Le TGV, les droits de l'homme, la chirurgie. Tiens, la chirurgie. Des bons géants qu'elle a fait la chirurgie. Ouais... Elle prolonge. Bon, avec son cancer, si Paulette vivait au temps de Napoléon, longtemps qu'elle mangerait les pissenlits. Je ne dis pas, mais qu'on meure avant, ou qu'on meure après, par les temps qui courent... Ça, pour courir, il court. Bah, c'est pas du nougat. T'as qu'à ouvrir la télé. Incendie, inondation, pollution, tremblement de terre, viol, épidémie, polygamie, massacre, et qu'un petit con appuie sur un bouton et pof, tout le monde au ciel. Un quoi? Un petit con. Plus de moralité, plus d'ingénuité, plus de hiérarchie, et tout le monde qui se mélange, un vrai lupanard. Lupanard, c'est pas un mot qui vient du grec? Non, du latin. Et la nature, Quoi la nature? Bah, complètement dénaturée, la nature. Cette pêche, les saisons qui se mélangent, le froid qui devient chaud. Tiens, la calotte. La calotte? Un glaciaire. Elle se met à fumer et à cracher des étincelles, la calotte glaciaire. Je viens de le lire dans Paris Flash. Bon, si maintenant tu crois ce que disent les journaux... Et la nourriture? Ah, tu commences à me faire rigoler, hein. Maintenant, la nourriture. Tout ce que tu ingurgites, plus aucun goût. Mange une tomate, c'est comme si c'était un navet. Tu crois pas que tu amplifies? Oh. Merda! C'est pour aujourd'hui ou pas la manana? Tu veux pas la couper ta souris? Pas de raison que ça s'arrête, merda! Dos minutos, vengo! Et les hommes? Les hommes que tu croises aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas me sortir encore? De plus en plus virtuels. Virtuels. À part quelques-uns. Philippe, bien sûr. Eugène, à la rigueur, je veux bien. Il se la coule à Pékin pendant que tu turbines rue des Martyrs. Oh, écoute... Rien que des robots, qu'ils soient dans le métro, dans le bus ou dans la rue, ils ne se promènent plus qu'avec un bidule collé aux oreilles. Ils ne te voient pas, ils ne t'entendent pas. Et le nombre de voyous qui... Bon, là, je t'arrête tout de suite, ma piquette. Tu pousses un peu trop. Tu oublies tous les facteurs positifs. Tout ce qui fait avancer l'humanité. Il n'y a pas que la chirurgie, il y a les soins de beauté, la clim, la direction assistée, ce que je sais. La direction assistée? La pilule. La pilule! T'es bien contente de baiser sans que ça te donne à réfléchir? Ah oh bah si, en plus il fallait réfléchir. Tu parles des voyous parce qu'à la télé, on te montre que des paumés, des drogués, des politiciens, des assassins. Mais il y a toute une jeunesse laborieuse et plein de braves gens, bon, surtout dans les campagnes. Mais des braves gens qui travaillent dur, qui se lèvent tôt le matin pour mener leurs enfants à l'école, toujours prêts à rendre service, le cœur sur la main, honnête et tout. On vient de m'arracher mon sac! Au voleur, mon sac, au voleur! J'entends plus rien. Allô, Véronique? Véronique! Véronique! Plus rien du tout, hein. Ça doit être les piles. Mais ici, pour trouver des piles... Des fois, hein. Qu'est-ce qu'elle peut m'énerver, Véronique? Véronique? Mais Véronique...